Il va. Allez, parti. Allez, donc je fais dans You. Je crois que ça a fait trimer trucs. Allez. Est-ce qu'on est en live? Hello, est-ce qu'on est en live? Est-ce que vous nous entendez? C'est la première fois hein, qu'on fait ça. Ça, j'ai l'impression que vous avez entendu avec le décalage, vous avez peut-être entendu que je poussais un cri et tout. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Merci de le mettre dans le chat, s'il vous plaît. On attend votre confirmation que tout se passe bien. Ah, nous avons Alain qui nous confirme que nous sommes bien à l'antenne. Youpi. Bon, alors, bonjour à tous. Alors, évidemment, on est un samedi, il est tard. C'est la première fois qu'on fait un live sur cette chaîne. On n'a pas fait énormément de pubs parce que ben, on n'était pas sûr que ça allait marcher, qu'on allait y arriver. Je vous dirais qu'il y a une heure, c'était peut-être pas gagné. Voilà, parce que ben, nouvelle technologie, c'est pas, enfin moi personnellement, c'est pas mon domaine, plus que ça. Mais bon, voilà. Donc je suis avec Daniel. Coucou Daniel. Bonjour Isabelle. Voilà, donc Daniel, qui est donc rédacteur du blog Space Kiwi. Je vous ai mis le lien dans la description. Daniel s'est spécialisé dans les lanceurs légers, dans les lanceurs et les missions un petit peu exotiques. Voilà, donc, il est particulièrement intéressé par Rocket Lab et Electron, donc le lancement de ce soir. Donc, il va vous expliquer plein de choses. Voilà, je vais aussi vous expliquer des choses, évidemment. On a préparé quelques. Enfin, Daniel, surtout, hein, je vais vous le dire, franchement, moi, j'ai pas eu trop le temps. Daniel a préparé des images, des vidéos, des choses comme ça en attendant le lancement. Alors, le lancement de ce soir, c'est le 13e lancement d'Electron, la petite fusée de Rocket Lab, qui est une entreprise américaine. Mais qui décolle de Nouvelle-Zélande pour l'instant. Voilà, à terme, ils vont aussi décoller des États-Unis, et ça, je pense que Daniel vous en parlera tout à l'heure. C'est le 13e lancement, seulement 13, mais bah, 12 succès sur 13, hein, sauf erreur, Daniel. Alors, on a eu 12 lancements, dont 11 de succès pour être plus précis. Ah oui, c'est ça, oui, on est le 13e, donc j'espère qu'ils vont faire 13 lancements, 12 succès, et. Voilà, c'est effectivement, je suis en train de me mélanger les pinceaux voilà, dans le décompte. Alors, le lancement au départ était prévu à 23h13, heure française, donc 9h13 du matin en Nouvelle-Zélande, mais il a été déjà retardé à 23h19. Donc voilà, je réponds à Jimmy dans le chat, hein, oui, vous avez le droit de poser des questions effectivement dans le chat. Et du coup, ça a été un petit peu décalé. Il faut savoir que en fait, il y a une fenêtre de lancement, donc c'est pas étonnant que ça décale. Bon, faudra pas s'étonner aussi s'il y a un report de tir, parce que la météo était pas terrible ces derniers temps, n'est-ce pas, Daniel? Exactement, et ça c'est une spécialité des tirs néo-zélandais, enfin des tirs Rocket Lab, c'est qu'ils arrivent quasiment jamais à l'heure. Pour que vous sachiez, ben, il était déjà prévu hier, tout simplement. Puis finalement, il a été décalé à demain, et aujourd'hui, ben, il a été décalé à ce soir. Alors, ça c'est la spécialité de Rocket Lab, ils adorent jouer avec nos nerfs, surtout quand les tirs sont à des heures qui ne sont pas du tout regardables. C'est-à-dire la nuit, parce que généralement ils font plutôt des tirs de jour. Alors c'est pour une fois on a l'occasion de faire un stream sur un tir Rocket Lab qui est à une heure regardable. Parce que la plupart du temps, ben soit il faut veiller tard la nuit, soit il faut se lever tôt le matin. Et ça pendant plusieurs fois dans la semaine, parce que bien sûr, il y a les décomptes. Généralement, vous apprenez les décomptes 1 à 2 heures avant, au mieux, sinon ben, vous apprenez en direct. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, Et bon, moi, ils sont de l'autre côté de la planète pour nous, donc c'est peut-être pas étonnant, quoi. Voilà. Et voilà, effectivement, donc ils sont aux antipodes, donc ils tirent un peu aux horaires des antipodes. Donc
c'est un tir, voilà, c'est un peu comme les tirs japonais, on a souvent du mal à les avoir à des heures normales pour nous. C'est parce que voilà, bah, finalement, il y a des pas de tir un peu partout sur la planète, dont en Nouvelle-Zélande. Et Rocket Lab, en fait, a été la toute première société privée à tirer depuis l'hémisphère sud, pour être plus précis. Alors, voilà, donc on balançait tout de suite les conditions météo, bah, elles sont difficiles, effectivement, bah, parce que comme ils sont aux antipodes, c'est-à-dire aux hémisphères sud, et ben c'est l'hiver. C'est l'hiver là-bas. Donc, la météo, elle n'est pas forcément super sympathique. On est au bord de la mer. On est dans la péninsule à l'extrême nord-est de la Nouvelle-Zélande, qui s'appelle la péninsule de Maya. Maya Peninsula. Une zone complètement isolée. On peut être à distance d'une dizaine de kilomètres du pas de tir, ou qui peut être complètement désert, voilà, sur plusieurs hectares, au bord de la mer. Pour pouvoir tirer dans la direction nord jusqu'à sud-est, qui nous permet de couvrir du coup beaucoup d'orbites basses, qui intéressent beaucoup de clients de ce genre de lanceurs. Alors, je vais demander au chat parce que j'ai l'impression que j'ai le stream qui galère. Donc, je voudrais juste être sûr. Est-ce que vous voyez, Daniel, moi j'ai un écran noir de ton côté. Alors, je vois également un écran noir. Donc, j'ai un petit souci de connexion, j'ai l'impression. Désolé, désolé. Ça, c'est la technique que je vois. Non, noir. Alors, Alain, peux-tu nous effectivement, mon préciser? Je image est comprends revenue. pas. Non, l'écran noir. Ah, alors attends, c'est que tu fais transition. Il faut que tu regardes dans les différentes scènes entre lesquelles tu fais transition. Entre celle du live de Rocket Lab et mon écran partagé. Bah, ton écran partagé ne me met que du noir, je suis désolée. Donc il y a un petit souci, excusez-nous. Hein, on vous avait dit, hein, c'est le premier. On a C'est vu le premier le. là, on débute pas. Hein. Voilà, désolé. Alors c'est pour ça qu'on n'a même pas mélangé qu'on nous voit en webcam et tout. Puis déjà, moi j'aime pas trop passer à l'écran. Donc alors sinon ça va complexifier. On va faire par étapes. Hein. Je vous assure que on va y aller tranquille. Hein. C'est pas du niveau de Whitney Space Explorer W sur Twitch, parce qu'elle maîtrise son truc. Évidemment, c'est pas du niveau de Vincent Stardust de la chaîne de l'espace. On commence tous, hein, on va dire ça. Du coup, Daniel, on ne voit pas. Alors, on ne voit pas, mais on me voyait à un moment. Il y a eu des flashs Mais ouais, de je sais petits pas. logos. Bon. Alors, sur un côté sur OBS, sur l'écran donc de programme, tu es sur quelle scène? Est-ce que c'est mon écran que tu partages? Ben oui, j'ai essayé là, ça ne marche pas. C'est étrange. Alors, tu peux rester sur le stream de Rocket Lab en attendant Ouais, je que. suis désolée là, Ah, ça. attends. Sur celui-ci, tu me diras si ça marche. Enfin bon, reste sur le stream reste sur le live de Rocket Lab en attendant Ouais. que je tire au clair cette histoire. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Enfin, le principal, c'est qu'on voit le lancement quand même. Exactement, ouais. Hein? On va dire ça. C'est tout à fait ça. Pour l'instant, on a le droit à ça. Je règle, je suis désolée. Alors, on va continuer, hein, tant pis. Tant pis si vous avez pas. Ah bah si, là, c'est revenu ton écran. Oui, c'est revenu. Enfin, restez sur le stream pour l'instant, s'il te Ah, plaît, parce que d'accord, ok. le temps que je règle un petit souci d'affichage, visiblement. Ah, on va y arriver. Désolée, hein. On vous avait prévenu, c'est un essai. On n'est pas super pro. Hein? Ouais, Ouais, on est de... débutant. On peut Voilà. carrément dire qu'on est débutant. Ah ouais, on est... Oui. Oui, alors, plein écran pour le Rocket Lab, bah, j'y arrive pas parce qu'ils sont pas encore en train de comment? J'ai l'impression qu'ils sont pas encore en train de partager le truc, Alors, donc c'est du parce coup, que j'y le arrive live n'a pas pas. encore Et voilà, c'est commencé. pour ça. Tu peux Je ne revenir peux normalement pas. sur mon écran partagé. Normalement, ça devrait le faire. Allez, on est reparti. Daniel, je vois ton truc là. Voilà, super. Là, on voit. Enfin, moi, je vois. Ça va venir pour Alors, le live. ça va venir les copains, ne vous enfuyez pas, s'il vous plaît. Ouais, Vous êtes
vous êtes super gentil de ne pas nous juger, déjà super chouette, de votre part. Donc, on en était où, nous, dans tout ça? Ah non, ça a reparti, c'est reparti, Daniel. Je sais pas ce que tu fais entre deux, mais c'est reparti. Je fais rien du tout, moi. Bon. Je suis censuré. Vive les Mac, bah ouais, on est sous Windows, oui, oui, bah oui, c'est comme ça. Bon, allez, on va continuer, tant pis, on va vous laisser pour l'instant le programme Rocket Lab, en attendant qu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'il y a donc, on a parlé, aujourd'hui, c'était la fusée de... Donc Electron, voilà, on a parlé de la météo. Donc on voulait vous présenter quand même le lanceur, parce que c'est... Donc, actuellement... Il fait pas trop moche. Voilà. Si vous avez raté quelque chose dans ce live, eh ben il fait pas trop moche à Maya Peninsula en Nouvelle-Zélande. Et c'est à peu près tout ce qu'on a dit depuis le début. Voilà. Bon, allez, parle du lanceur quand même. Alors, la fusée Electron. La fusée Electron, c'est ma petite préférée. Et c'est une petite fusée. C'est ce qu'on appelle voilà un micro lanceur. Alors, des micro-lanceurs, bah, pour vous donner une petite idée, micro-lanceur, elle fait 17 mètres. 17 mètres. Donc, pour vous donner un petit ordre de grandeur, l'Ariane 5 fait 54 mètres. La Falcon 9 fait 70 mètres. On est sur des ordres de grandeur très, très, très différents. Là, on est vraiment sur du tout petit. L'Electron, elle peut prendre au maximum 250 et 225 kg de charge utile en orbite basse, encore en orbite très basse. Et sinon, elle ne peut pas faire plus. Elle ne peut pas embarquer plus. Et il y a différents niveaux de lanceurs. Vous avez le très lourd, le lourd, le moyen, le léger et le très léger. Et bien, Rocket Lab, avec la fusée Electron, est tout en bas. Il y a encore un stade de fusée tout en bas qui s'appelle les nano-lanceurs. Mais là, on est plutôt au stade de micro-lanceurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des micro-lanceurs. Actuellement, la fusée Electron est un des seuls qui fonctionne. Oui, et régulièrement. Il y en a eu quelques-uns, d'autres qui ont volé. Par exemple, dernièrement, il y a la Pegasus XL, qui était un micro-lanceur aéroporté de Northrop Grumman, qui a décollé plusieurs fois pour le compte de la NASA notamment, depuis les US. Mais la Pegasus XL ne vole plus maintenant, depuis l'année dernière. Tout simplement, elle n'a plus de clients, elle coûte trop cher. Et bien là, je vous ai mis, en fait, j'ai réussi à vous afficher le site de Daniel, hein, spacekiwi.com, voilà, vous avez l'adresse, spacekiwi.fr.wordpress.com. Et du coup, en fait, il a fait des fiches signalétiques par lanceur. Donc, elle n'est pas tout à fait à jour parce qu'effectivement, tu n'as pas encore eu le temps de rentrer le dernier vol, nombre de vols. Qui est maintenant à 12 et peut-être ce soir à 13. Voilà. Donc, donc si vous voulez le détail, donc je vous ai affiché ça. J'ai réussi à vous afficher ça. Ouais. Tout est une victoire aujourd'hui. Hein. Ok. Alors, Rocket Lab nous informe que le live va commencer à partir de 16 minutes avant le décollage. Alors, voilà. Donc, merci Isabelle. Donc, en attendant de vous présenter la fusée Electron. Parce qu'à la fois elle est petite, mais c'est pour ça forcément qu'elle est ma préférée. C'est aussi parce que c'est un super petit bijou de 21e siècle par rapport à beaucoup d'autres lanceurs qui ont bénéficié aussi de plusieurs dizaines d'années d'expérience techno. Mais l'Electron est toute nouvelle. En fait, elle est toute fraîche. Elle a fait beaucoup de premières. Beaucoup de premières. Notamment, pour commencer, elle est entièrement en composite. Elle est intégralement imprimée en trois dimensions. Non, ça c'est pas tout à fait exact. C'est pas l'impression additive. Excuse-moi de te contredire en direct. Certaines parties sont en impression additive, effectivement, mais pas. C'est le fait que ce soit un corps, par exemple, pas aluminium ou acier, quoi. C'est ça la nouveauté, non, il me semble. Notamment, voilà, c'est sa légèreté, effectivement, il donne un grand atout. Mais c'est aussi la partie légèreté que du coup elle est assez sensible à la météo et que du coup les Rocket Lab fait très attention à la fois au vent de surface mais aussi au vent de haute altitude bien sûr. La fusée Electron effectivement elle bénéficie de cette impression 3D. C'est la première fusée au monde qui bénéficie de ce genre de technologie là.
Alors aujourd'hui, oui, il y a des lanceurs qui sont, tu as raison Isabelle, il y a des lanceurs qui commencent à être développés ou de sorte à ce qu'ils soient intégralement faits par impression 3D, par impression Ouais, 3D. ça je Il y a une demande à voir, hein, société, voilà, c'est une franchement. société qui s'appelle Relativity Space aux États-Unis qui développe ça. Bon, pour l'instant, on n'a vu que des réservoirs qui sont imprimés comme ça, mais on est encore loin du coup. Ouais, je demande à voir, hein, parce que ça demande quand même des moyens. Enfin, pour un petit lanceur, peut-être que c'est faisable, mais dès qu'on va vouloir attaquer des lanceurs de gros diamètre et de grosse puissance, je demande à voir. Enfin, pourquoi pas, hein, c'est peut-être le comment, l'avenir, mais je suis perplexe, on va dire. Et puis, bon, Après, ça reste à voir. je suis peut-être vieille école, j'attends de voir, Mais voilà. ça reste à voir. Moi, c'était pas vraiment de la vieille école, mais c'était vraiment de l'école satellite. Exactement. Oui. C'est l'école du client qui, en fait, bah, nous, on peut annoncer le décor tout de suite. Bah, le client s'en tamponne un peu de la techno de l'électron. Il s'en moque complètement. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Il y a une société qui s'appelle Space Flight, hein, qui est d'ailleurs un des clients, finalement, de ce vol. Qui gère en fait l'organisation des lancements, la distribution, notamment par exemple la réservation de telle ou telle place dans un lanceur. Space Flight est assez réputé pour faire des lancements multiples, pour participer à des lancements multiples comme client. C'est un intérimaire en fait entre le lanceur et le satellite. Et du coup, le moteur, par contre, c'est quand même Electron enfin Rocket Lab qui l'a développé ou ils l'ont acheté à quelqu'un là, c'est le Alors, Rutherford. moteur. Le moteur Rutherford est un moteur intégralement Rocket Lab. D'accord, mais ce Alors, il qui y me en a neuf semble. en tout qui équipent le premier étage. Alors là, on bénéficie pas mal de la techno de la Falcon 9 où on a préféré équiper voilà, le premier étage de plusieurs moteurs faiblement puissants plutôt que d'un seul moteur très puissant, un peu comme Ariane 5 et son Vulcain 2.0 ou son Vulcain 2, le 2.0. Enfin, il y a une différence entre Ariane 5 et Ariane 6 avec ce Vulcain-là. Mais c'est des moteurs voilà, qui prennent beaucoup de temps à être développés, qui sont très chers. Alors que vous en mettez neuf plus petits, moins performants sur votre premier étage, et ben, ça vous permet déjà de les produire en série, et ça revient beaucoup moins cher à la production, sachant que le moteur, c'est un des éléments les plus chers de la fusée. Donc ben, avec la fusée Electron, ben, vous en avez 10. 10 moteurs à faire, neuf que vous mettez au premier étage. Et voilà, un dixième qui va équiper le deuxième étage, qui va équiper le deuxième étage. Même type de carburant, même type, à peu près, quasiment même la même poussée, juste la tuyère du moteur du second étage qui est agrandie. Mais sinon, c'est exactement le même régime de production pour tous les moteurs de la fusée électronique. Alors, C'est on va passer peut-être ce soir. Enfin, je vois que ça avance quand même le timing. Et il y a une petite question dans le chat, bah, savoir elle sert à quoi aujourd'hui. C'est quoi les satellites? Alors, donc, il y a 7 satellites à bord. Alors, est-ce que je peux vous faire voir quelque chose? Du coup, essaye de voir si tu peux repasser sur Skype. Enfin, on se parle entre Skype, en fait, hein. Donc, du coup. Et je partage l'écran, Alors, enfin oui. Daniel me partage son écran et quand ça marche, je peux vous faire voir ce qu'il a préparé. Si tu veux, là, je t'en partage, si tu le vois. Non, je ne le vois toujours pas. Je le vois pas même sur Skype. Si, là c'est bon. Ah, là c'est bon, c'est bon. Hop, ouais. Alors Ah, voilà. j'espérais au moins pendant une seconde. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a comme passager à bord de l'Électron ce soir? Il y a 7 satellites. Alors on commence par le plus gros, qui est le plus visible là sur cette photo, d'avant lancement, avant mise sous coiffe. Donc c'est un satellite CESAT-1B, alors attendez, j'ai le live de Rocket Lab qui a commencé et j'enlève le son parce que sinon je m'entends plus, enfin je suis perturbée. On passera tout à l'heure. Donc CESA. Oh, je vais y arriver. Donc ce satellite, le plus gros, il fait à peu près 50 grammes. C'est ce que j'ai lu. Ça m'a paru 50 un kilos, peu. tu veux dire? Oui, 50 kilos. Je pense que oui, c'est 50 kilos. Pourquoi c'est moi qui ai mal noté? 50 kilos. Il fait à peu près 50 cm de côté sur 70 cm de haut. Et en fait, donc CESAT-1B a été construit pour Canon Electronics. Alors Canon Electronics, bah, c'est l'entreprise,
japonaises d'appareils photo, de caméras, ce genre de choses. En fait, c'est une démonstration technologique. Le premier satellite, le CESAT-1A, avait été envoyé par une fusée indienne PSLV en juin 2017, donc il y a à peu près 3 ans. Et donc là, il renvoie un nouveau satellite qui doit être à peu près similaire au premier, peut-être avec des évolutions, pour faire en fait de l'imagerie de la Terre avec des caméras haute résolution et grand angle. Voilà, la résolution d'ailleurs attendue est de 1 mètre. Donc ça, c'est le plus grand satellite. Hop, on va pouvoir passer à l'autre. Pour ceux qui nous rejoignent, le décollage n'est pas avant 23h19 pour l'instant. Donc, on vous parle du lanceur et des satellites du vol. Et veuillez nous excuser, pour l'instant, on n'est pas super au point. Voilà, donc le deuxième satellite, après, on a 5 satellites Superdove pour la compagnie américaine Planète. Donc, je ne sais pas si Daniel, tu peux nous passer enfin, non, elles sont sur la. En fait, les Superdove, Ils étaient là, hein, donc c'est je pour ça que dis j'ai pas n'importe appelé. quoi. Voilà, ils sont sur la photo, en fait. Ils sont dans les petites boîtes qui sont en dessous, là. C'est des CubeSat 3U. Qui vont faire de l'observation de la Terre. C'est la quatrième génération de satellites Flock, mais qui s'appelle aussi donc Superdove. Donc pour Planète, qui est quand même l'opérateur de la plus grande constellation de satellites d'observation de la Terre au monde. Ils en ont des centaines autour de la Terre et ils ont quasiment du coup, ils peuvent quasiment fournir des images au-dessus d'une zone quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Voilà. Pour souvenir, pour ceux qui ont vu l'image, sans doute, elle a beaucoup fait le buzz. C'est quand il y a eu les grandes manifestations du Black Lives Matter à Washington. Il y a des gens qui avaient fait un géoglyphe Black Lives Matter sur une rue juste à côté, une rue adjacente à la Maison Blanche. Et ça a pu être vu et photographié par un de ces satellites-là. Voilà, donc en fait, on a donc ces satellites qui sont dans des petits déployeurs, là, les espèces de boîtes noires, là, et les satellites sont là-dedans. Voilà. Et ensuite, on a un dernier satellite qui est un CubeSat 6U, donc qui est la grosse boîte qui est devant. Donc là, voilà, on voit. Voilà, c'est ce CubeSat 6U. En fait, qui est construit par une entreprise britannique InSpace, qui en fait prévoit de. Donc, ce CubeSat 6U s'appelle Faraday 1, et en fait, ils espèrent lancer d'autres Faraday derrière, toute une série de CubeSat 6U pour héberger des expériences multiples à l'intérieur de ces CubeSat. Donc, aujourd'hui, il y a 7 clients dans ce CubeSat, 2 charges utiles RF passives, 2 charges utiles RF actives, 1 charge utile d'imagerie optique à champ ultra large, un rétro-réflecteur optique passif et 1 charge utile interne passive. J'ai pas plus de détails, j'ai rien trouvé de plus, je suis désolée. Voilà. Moi, je pense que c'est déjà très très riche comme information sur Sur notre les télé. CubeSats, ouais, quelquefois on n'a pas plus de choses, quoi. Généralement, on les a souvent après le lancement ou pendant leur mission. Ça nous arrive même de découvrir qu'il y a des CubeSats qui embarquent à bord d'un vol sans qu'on soit au courant avant. Ils apparaissent dans le manifeste généralement après. Et Voilà. ben, et voilà, ça c'est valant, on est dans un vol type d'électrons. Vous avez voilà, un passager primaire, un microsat voilà, d'une cinquantaine de kilos, et quelques CubeSats qui l'accompagnent. Et ça, c'est à peu près le vol type d'une fusée électron, en dehors des vols, de quelques vols spéciaux pour des clients particuliers. Mais c'est vraiment le vol type commercial d'une électron. Elle embarque une demi-douzaine de satellites et elle va tous les livrer à leur endroit, à différents endroits. Donc c'est un petit bus spatial. Et c'est justement, c'est l'idée, c'est de contrer l'idée des gros lanceurs qui peuvent être utilisés comme de gigantesques bus spatiaux, pardon. Un peu comme les fusées, l'anciennement connu, la Dnepr, en Ukraine, qui lançait plusieurs dizaines de satellites en un seul vol, ou la PSLV en Inde, qui elle a réussi à déployer jusqu'à 137 satellites en un seul vol.
Ouais, c'est le record à l'heure actuelle de lancement de satellites en un seul vol. C'est pas prêt d'être dépassé à mon avis, même si par exemple Vega, donc le vol VV16 qui devait avoir lieu la semaine dernière, qui a été reporté maintenant à cause aussi des conditions météo, qui est reporté maintenant au 17 août, va pour la première fois faire un vol multi-satellite aussi, un peu sur le même principe que finalement Rocket Lab. Avec Electron, la Vega va emporter 53 satellites. Donc, on est maintenant les opérateurs, donc Arianespace aussi, se rendent compte qu'en fait, il y a un marché pour les petits satellites, pour les satellites de la taille d'une Une machine à boîte de chaussures. laver et jusqu'à la boîte de chaussures et le CubeSat de 1U ou 2U. Donc pour ceux qui ne sont pas au fait de ce que c'est un CubeSat, c'est un modèle standard, en fait, une norme standard où en fait un CubeSat c'est 10 cm de côté, donc 10, 10, 10. Et quand on dit 1U, donc c'est 10, 10, 10. Et là, par exemple, le Faraday 1, c'est 6U, donc c'est 6, c'est 60 cm sur. Enfin, non, c'est 3 et 3U. Du coup, c'est 30 cm sur 20 cm, quoi. Il y a 6 cubes de 6 cubes de 1 cm cube, Un U, voilà. voilà, de 1 U. Je vais me perdre dans les détails, il se fait tard, voilà. Bon. Je sais pas. Enfin, des petites logiques Minecraft pour comprendre les volumes. L'avantage voilà, de ces CubeSats-là, c'est que ça les rend très accessibles pour beaucoup de gens. Et effectivement, tu as raison, Isabelle, de dire que le marché des petits satellites, des CubeSats, est en complète explosion. Parce qu'aujourd'hui, les cabinets de consultes donnent aujourd'hui des chiffres complètement dingues. Ils prévoient 7000 CubeSats qui voudraient être lancés dans la décennie là, dans la décennie qu'on est en train de vivre, 2020. Dans les années 2020, il y a 7000 CubeSats qui attendraient d'être lancés. Il y a beaucoup, beaucoup de constellations de CubeSats qui attendent de trouver des lanceurs. Et actuellement, ben voilà, il y a peu de lanceurs qui font ça. Donc Arianespace a compris qu'avec la Vega et peut-être même Ariane 6, avoir des clients de ce côté-là. SpaceX l'a déjà fait. Elle a déjà fait un vol en 2018, fin 2018, où elle a largué 64 CubeSats et Microsats un peu partout. Et on a les vaches. Et on a les vaches qui apparaissent sur le live Rocket Lab. Le live Rocket Lab a commencé. Oui, du coup je l'avais mis entre deux parce que bah bon le CubeSat 6U, bon dans la boîte c'était peut-être pas le plus passionnant. On voit quand même que le ciel est couvert et pas top top. Donc bon voilà. On va peut-être parler bah, de Plutôt patient. la chronologie du tir justement. Ah bah Oui, alors. là on voit bah, des images de on va voir des images de la fabrication des lanceurs. Donc on voit la taille du lanceur, hein, c'est pas du tout la même chose évidemment qu'une Ariane 5 ou qu'une Falcon 9. On voit bien que c'est des petits lanceurs, quoi. Et les fils d'électrons peuvent être produits en chaîne. Il peut suffire de 3 jours, d'après Rocket Lab, pour produire un électron en entier. Après, il y a la com. Hein. Franchement, moi, je suis Voilà. toujours sceptique Et puis sur surtout, il y ces a annonces. l'intérêt pour l'instant de produire une fusée entre. C'est une question. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait bah, vous parler donc de la séquence de lancement. Donc la séquence de lancement, bah, je sais pas, tu y vas, Daniel, ou j'ai aussi la séquence de Oui, lancement je l'ai sous devant. la main, donc je peux Oui. te la décrire si tu veux. Enfin, nous la décrire, Alors, pas qu'à moi. à vous la décrire, oui, pardon, excusez-moi. Donc oui, nous sommes donc à là actuellement à 5 minutes du lancement. Donc ça veut dire qu'il s'est passé déjà toute une série de choses qui se sont déjà passées. Les remplissages des différents carburants sont terminés ou sont en cours. On a commencé à remplir, on continue encore de remplir en oxygène liquide jusqu'aux dernières minutes. Les zones aériennes, maritimes voisinantes, avoisinantes sont complètement vides. Et on a eu déjà une première confirmation de lancement de séquence il y a maintenant donc une douzaine de minutes où le directeur de vol a fait le questionnaire go no go de tous les paramètres du lanceur. Et donc là, dans à peu près 3 minutes,
On devrait commencer en séquence, on devrait passer en mode automatique, où c'est l'électron qui va décider elle-même de son décollage et décoller par elle-même. Donc 23h19 pour l'instant, on n'a pas de décalage, j'ai reçu aucune notification sur un décalage, donc là-dessus il faut surveiller ce que dit le live. Donc après le décollage. Je fais des bêtises, excusez-moi. Je suis en train de voir que je fais un truc pour change, pour mieux voir dans mon PC et du coup ça vous a changé l'affichage, je suis désolée. On va y arriver. On va y arriver. Donc on voit tout bien. Après tu penses que tu peux passer en plein écran pour. Ben je suis en plein écran. Ah mais non, mais moi après ça va m'embêter pour le plein écran. Enfin je le mettrai pour le décollage. D'accord. Bon, je finis donc avec en vous présentant la séquence. Donc, au bout de 2 minutes et 35 secondes après décollage, extinction du moteur de l'étage principal, des moteurs de l'étage principal. 3 secondes après séparation du premier étage, il est largué, il ne sera pas récupéré. J'ai entendu déjà poser la question de récupération hélicoptère. J'en parlerai tout à l'heure, il ne sera pas récupéré. Alors, pour l'instant, oui, c'est. Alors, la récupération avec Electron. Avec Rocket Lab, c'est pas du tout le même principe que sur Falcon 9. Il faut quand même en parler un petit peu. Hein. C'est pas du tout. On donnera les détails de tout ce concept-là tout à l'heure. Ah oui, pardon. Oui. Donc, c'est vrai que j'allais anticiper. 2 minutes 41 après le lancement, donc quelques secondes après séparation, allumage du 10e moteur Rutherford, donc il va équiper le deuxième étage. À 3 minutes 14 secondes, largage de la coiffe. 6 minutes 27 secondes, ça c'est une opération qui se fait uniquement avec l'électron. On largue des batteries. Quelques batteries du second étage qui sont complètement vides sont larguées tout simplement pour gagner du poids. Ce délestage, je connais dans aucun autre lanceur. Ensuite, à 9 minutes, enfin 8 minutes 59, on est en orbite. Séparation du deuxième étage à 9 minutes 02 allumage donc du dernier étage, le kick stage, et son moteur Curie, son moteur électrique, qui lui va faire les dernières manœuvres de circularisation à partir de 49 minutes, 52 minutes. Ce sera là, on sera déjà plus en live à ce moment-là, car le live lui-même sera de Rocket Lab. Et je pense qu'on peut passer maintenant priorité au direct. Ouais, je pense, on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais vous mettre en plein écran, je vais essayer. Le problème c'est que je vais perdre le chat, c'est ça le problème. Enfin, je me suis pas très bien coordonnée, je suis désolée. Allez, on passe en plein écran et puis avec le son, est-ce que vous entendez le son déjà? Enfin, évidemment, il parle pas. Pressing locks. Donc là, on est passé en mode automatique. Ça a été confirmé. Est-ce que vous entendez le son du live Rocket Lab, juste pour être sûr? J'aimerais bien le voir dans le chat, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son? Réponse. Ah, oui, il y a du son. Notre Bodo me dit qu'il y a du son. Super. Merci Alain. Allez, plein écran. Merci Alain. Ouais, le Stage 1 and Stage 2 are pressed. Effectivement, le plafond est bas. C'est vrai que les vaches sont prêtes et les moutons aussi. Hein. What a deluge is active. C'est quand même très curieux de laisser des vaches aussi près du pâtir. Donc on va se taire. Re-readying engines. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
fortune is nominal. Donc tout au nominal, voilà, je commence à reparler un petit peu. Là, on voit bien que le pâtir est sur une presqu'île. Il y a vraiment de l'eau pas loin. We're at T plus 45 seconds into flight and we've had a successful liftoff from pad A at launch complex. Toujours voilà des petits morceaux de glace qui se détachent au premier étage. Voilà, la couleur originale de l'électron c'est noir. Il y a de grosses plaques de glace qui se forment au niveau du réservoir d'oxygène liquide. Car il est réfrigéré à moins 160 degrés. Voilà, Max Q, donc pour ceux qui sont peut-être pas habitués. Donc voilà, ils ont confirmé que ça avait passé Max Q. C'est là où il y a les contraintes dynamiques, aérodynamiques les plus fortes sur le lanceur à ce moment-là. Et si, par exemple, il y avait une petite fissure dans le corps du lanceur, ça pourrait exploser parce que ça augmenterait cette fissure. Voilà, c'est vraiment là où, une fois passé Max Q, là où la vie, c'est là où ça serait le plus critique pour un lanceur en fait, voilà, au niveau du décollage. Enfin, une fois le décollage fait. Désolé, je bafouille. Entering stage one burnout detect mode. On profite. Bon, là, il y a beaucoup de nuages. C'est dommage parce que quelquefois, on a des superbes images avec des... Vraiment, on voit la mer et tout. C'est superbe. Là, bon, il y a des nuages, donc on évite... C'est l'hiver. C'est vite pas beau. Mais bon, caméra embarquée, on va pas... On peut être content. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. Voilà. Hein, c'est... Tout le monde ne sait pas forcément ça. Voilà. Extraction de 9 moteurs de Terford et largage du caméra. Voilà, là on a aperçu. L'image du deuxième moteur, on est sur le deuxième étage. Voilà, on voit bien la tuyère du moteur qui commence à chauffer. Alors, je ne peux pas vous dire si le premier étage est équipé de capteurs pour analyser, pour nous faire un suivi de la descente du premier étage en mer. On va bientôt passer à la séparation de la coiffe, qui protège donc les satellites lors de la montée du lanceur dans les couches denses de l'atmosphère. Et là, on aperçoit les demi-coiffes qui tombent. Maintenant, le lanceur est suffisamment bas... n'importe quoi. Est suffisamment haut pour, en fait, plus avoir besoin de protéger... les satellites, et du coup, ça, voilà, on enlève de la masse qui ne sert plus à rien. Voilà, tout bêtement. Là, on voit la rotondité de la Terre, on commence à bien voir. Il commence à être plutôt tangent à la Terre. Alors, l'orbite visée est à 500 km. On est en orbite héliosynchrone à 500 km. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit, je crois. On a oublié. On ne l'avait pas encore dit. Non. Bah, du coup, maintenant, c'est dit. Oui, c'est un lanceur léger. C'est un lanceur avec une puissance... C'est un lanceur qui a une puissance quand même limitée. Donc, il ne fait pas d'orbite pour l'instant de transfert géostationnaire. Mais avec le dernier étage, ils peuvent le booster et faire quand même des orbites plus complexes. Après, Daniel, si t'en sais plus, parce que moi, je suis pas spécialiste quand même. Alors, ils ont déjà testé une fois un lancement à 1000 km d'altitude. Et c'était, ils ont mis à bord un CubeSat, un CubeSat 6 unités. C'était vraiment la demande du client, ils ont embarqué rien d'autre à bord. Ah, il me semblait bien qu'ils avaient fait un truc plus haut, ouais. Ils ont aussi réussi à embarquer une fois un satellite de la DARPA qui faisait presque 175 kilos. On était dans le lancement le plus lourd de tous les tirs électrons. Mais voilà, généralement, on est autour de 150 kilos par maximum en orbite à 500 km héliosynchrone.
faut que 550 kg, bah, il faut compter à la fois la masse des satellites, mais aussi celle du système de déploiement. Alors, Rocket Lab affirme que leur déployeur de CubeSat pèse 1 kg. Yes. Qui n'est pas très lourd, finalement. Mais on est en... ça correspond déjà à peu près à la masse d'une unité de CubeSat. Moi, je suis quand même toujours étonnée enfin, ébahie devant ces images, quand même. C'est l'image temps réel. Enfin, là, c'est un peu frisé, j'ai l'impression, mon stream. Oui, c'est frisé. Et alors, c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir l'image de la séparation, du largage des batteries à 6,27. Ouais, donc c'est bien eux leur image qui a frisé, hein. c'est pas mon live. Je craignais que ce soit le live. parce que je voyais, après j'ai vu les deux frisés, donc je me suis dit, ah non, c'est pas possible. J'ai cru aussi que c'était ma connexion internet. Oui. Mais non, bon, alors bah, ça arrive hein, de temps en temps, on perd le. Voilà la salle de contrôle. Voilà, il y a la salle, là, de contrôle. La salle de contrôle. Ouais. Alors on est à Auckland. En Nouvelle-Zélande. Et donc, vous voyez dans le troisième, dans la troisième rangée d'ordinateurs, le mec qui est illuminé avec les cheveux bouclés, Peter Beck. Le mec, voilà, illuminé, disons, on voit bien son visage, avec les cheveux bouclés, c'est Peter Beck, c'est le PDG de Rocket Lab. Il est toujours présent pendant un des tirs électriques. Alors Rocket Lab est une société américaine, une société de lancement américaine, elle est basée à Seattle, au nord-ouest. Mais la plupart de ses activités est actuellement en Nouvelle-Zélande. Vous avez le centre de contrôle à Auckland, vous avez aussi un premier site de production électron à Auckland, ainsi que bien sûr toutes les activités au niveau du pas de tir à Maya Peninsula. Alors, ensuite, Rocket Lab a d'autres projets, c'est de construire deux autres pas de tir. Donc, il y en a un qui est terminé, et celui-ci se trouve cette fois-ci sur la côte est des États-Unis. On est en Virginie, sur le site de Wallops, le site de la NASA, juste à côté du pas de tir Antares, une fusée qui embarque de temps en temps des cargos pour l'ISS. Et quand je dis à côté, il est à quelques dizaines de mètres. Oui, les images sont assez surprenantes, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre, donc on se dit s'il y en a un qui a un problème de décollage sur le pas de tir, s'il y a une explosion sur le pas de tir, comme malheureusement a eu lieu sur le pas de tir Antares, il y a eu il y a 3-4 ans maintenant, non, 2015, sauf erreur, il y a eu une fusée Antares qui a explosé sur le pas de tir, enfin juste au décollage, à quelques mètres au-dessus du sol. Le pas de tir avait pas mal été endommagé. Je me dis que le pas de tir électron juste à côté, je suis pas sûre que ça soit très très bon. Mais bon, ils n'avaient peut-être pas beaucoup de place ou je sais pas. Donc ouais, c'est des installations Wallops à NASA qui sont en fait prêtées, louées à ces entreprises. Donc pour le lanceur Antares, c'est Northrop Grumman. Donc, pour l'instant, effectivement, ex-lanceur, il lance exclusivement les cargos Cygnus vers l'ISS. Et après, donc, maintenant, Rocket Lab qui a construit un pas de tir électron. Et sauf erreur, ils ont dit qu'ils feraient leur premier lancement début 2021 sur ce pas de tir. Ou fin de l'année. Ouais, il le promettait en fait pour la. Il le promet toujours actuellement. J'ai pas vu de décalage 2021, mais il le promet toujours pour fin 2020. Ah oui, c'est ça. Techniquement, c'était prévu plus pour le début 2020. Mais bon, alors, avec le problème du Covid, le site de Wallops a été fermé pendant plusieurs mois. Le chantier était terminé, mais tout ce qui est test et tout, mais ils n'ont pas pu les faire. La fusée électron qui doit décoller de Wallops est déjà sur place. Je reconnais aussi l'identité du passager. Il s'appelle le monolithe, si je ne me trompe pas. C'est un microsat, du NRO, le National Reconnaissance Office.
Voilà. Donc c'est prévu pour l'instant à la fin de l'année, pour voir s'ils sont larges dans les procédures, pour tenir toujours cette deadline-là. C'est une deadline qui est d'avant Covid. Donc, on va voir s'ils vont arriver à la tenir. Mais le pas de tir, lui, techniquement, est terminé. Il est juste en cours de test. Il attend d'être inauguré par un tir électron, ce qui serait le premier tir électron depuis le sol américain. Donc on et va... enfin, donc, on va... pardon. Ouais, on va pas. Oui. C'est bientôt la séparation Quick Stage, ah, donc oui. Étage supérieur. Mais sinon, oui, tu voulais dire que le troisième pas de tir est en cours de construction, donc pareil, à la péninsule de Maya, là, en Nouvelle-Zélande, juste à côté de celui où il y a eu le décollage ce soir. Effectivement, je crois même que je peux diffuser la vidéo de. Attends, si tu me remets en... Attends, on va me attendre. Remets sur le... On va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. Voilà, ils sont en train de dire qu'ils arrêtent le live, parce que, voilà, ils arrêtent le live. Donc, on voit le pas de tir, là. Ouais, bah, généralement, ça veut voilà. dire que... Bon, ça a l'air pas mal. Couper le live avant confirmation de l'expansion de zéro d'étage. D'habitude, ils attendent un peu plus. Alors, ça se peut probablement parce qu'ils n'ont pas de... parce qu'ils n'ont pas eu de, ils n'ont pas eu d'image, pas de retour d'image. Bon, c'est quand même un peu inquiétant de ne pas avoir de retour d'image. Sur Twitter, ça s'alarme déjà un petit peu, j'ai l'impression. On va attendre, on va surveiller un peu l'évolution du lancement. Alors en attendant, donc oui, il y avait un troisième pas de tir qui est en chantier. Donc si tu veux, Isabelle, je peux partager. Je peux lancer les vidéos, je sais, elle est en plein écran, normalement tu devrais la voir. Enfin, tu vois un écran noir pour l'instant. Oui, allez, vas-y. C'est parti. Oui. Voilà, c'est une de leurs dernières vidéos de leur pas de tir prise par drone, où on voit l'ensemble du site de lancement. Donc c'est tout petit, hein, c'est tout petit, on n'a pas besoin de 50 hectares, bon, 50 000 hectares pour lancer une fusée de 17 mètres. Donc vous avez devant, c'est le pas de tir, le premier pas de tir électron. Celui qui d'où a décollé l'électron il y a 10 minutes. Et à gauche, vous voyez le chantier du second pas de tir, le LC1B, qui est en cours de construction et qui prévoit d'être terminé pour la fin de l'année. La fin de l'année. Alors pareil, ça c'était une deadline qui était donnée avant le Covid. Même si aujourd'hui la Nouvelle-Zélande est complètement libérée de tous ces soucis-là, il y a sans doute eu encore des retards sur le site de lancement. La Rocket Lab a complètement annulé tous ses tirs pendant toute la période de confinement, parce que la Nouvelle-Zélande était elle aussi confinée. La fusée, le tir précédent, celui de ce soir, devait être tiré en mars. Il a été tiré il y a seulement un mois. Donc Rocket Lab reprend juste ses activités maintenant. On va voir s'ils arriveront à tenir leur deadline, mais c'est pas non plus le plus important en vrai. Ils s'en sortent très bien. Alors, j'essaie de voir un peu ce que donnent les... Alors, je regardais un petit peu le chat, du coup, donc ça saccadait. Alors, je sais pas, il n'y a pas que nous, en fait, ils ont eu des problèmes de transmission aussi, hein, donc désolé. C'est pas parfait, je m'en excuse, mais pour ceux qui nous ont rejoints en début, c'est notre premier live. Donc, on tâtonne, on essaye, on est peut-être pas encore au point, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai un premier, il y a Scott Manley sur Twitter qui indique que la télémétrie indique comme quoi le moteur du second étage n'aurait pas fonctionné comme prévu. Donc on serait sur... un échec. On serait sur un échec. Alors c'est pas confirmé, hein, Nicolas, on prend des pincettes. Pour l'instant, ça colle au fait qu'on n'ait plus de retour vidéo, qu'on n'a plus de télémétrie, c'est sûr. Ok. T'as autre chose à nous partager que la vidéo là, parce que du coup, ça fait.
Non, plus latent, donc tu peux repasser sur les... Voilà, je vous remets le site de comment de Daniel, hein. Donc Daniel qui commente avec moi sur la chaîne. Daniel a participé pendant longtemps sur le blog Rêve d'Espace, pour ceux qui connaissent. Pendant un peu plus d'un an, on faisait les actualités spatiales ensemble. Et puis, Daniel a souhaité faire son propre blog parce qu'il veut se spécialiser en fait dans les lanceurs exotiques, les lanceurs un petit peu plus légers et dans les voilà. Donc, c'est Space Kiwi. Donc, je vous ai mis le lien dans la description. Mais on n'est pas fâchés et c'est pour ça qu'on fait le live ensemble et chacun vit sa vie. Voilà. Eh oui, c'est un peu... On se complète. Ouais, exactement. Mais il en faut pour tout le monde. Il y a Whitney qui fait sur Twitch et qui fait d'autres choses. Évidemment, je ne parle pas des grands youtubeurs comme Vincent, que je salue et je remercie pour ses conseils techniques aussi. Voilà, donc... H-1 notamment. ouais, H-1 par exemple. Donc chacun on apporte notre touche, notre façon de faire les choses. Je sais pas, après voilà, j'espère que ça vous plaît quand même ce live. On va attendre un petit peu de nouvelles. Est-ce qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'ils annoncent par rapport à ce lancement? Et puis après, sinon on va vous dire bonne nuit. Hein, on va attendre un tout petit peu des nouvelles. On va attendre qu'est-ce un qui peu. De... Qu'est-ce qui se Alors, dit pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, ça tire la tronche. Hein. Ça tire la tronche chez les observateurs, Jeff Tooth et tout. Ils sont pas optimistes. Et ça serait bien triste. Ce serait bien triste parce que l'électro était vraiment sur une bonne série là, de succès. Elle a raté que son tir inaugural. Autrement dit, ça ne coûte pas. Elle a réussi tous les autres, notamment elle a même réussi à être certifiée comme lanceur fiable par la NASA en si peu de temps, en 3 ans. Hein, le tout premier tir électron date de 2017, de mars 2017. Donc c'est tout frais, hein, c'est un lanceur qui est tout frais. Il a été reconnu parmi les plus gros, les plus exigeants clients américains. Il y a eu la NASA, bien sûr, plusieurs fois. Mais il y a aussi la DARPA, par exemple. La DARPA, c'est une institution parmi les institutions de technologie aux États-Unis qui ont lancé un satellite expérimental avec une électron. Le NRO, l'US Air Force, des gros, gros clients très, très importants ont donné leur confiance à l'électron. L'avoir sur son échec, c'est quelque chose qui serait très, très triste après une si belle lancée. Alors, peut-être aussi que ça viendrait du fait que la préparation de ce vol a été beaucoup plus courte que les autres. À la base, ce vol-là, il devait avoir lieu seulement 3 à 4 semaines après le vol numéro 12. Ce qui aurait été leur record. Ils auraient déjà réussi à aligner 2 vols en seulement 5 semaines. Le but de Rocket Lab, c'est de limiter le plus possible la préparation du vol, de sorte à ce que ce soit le plus rapide possible. Parce que peut-être là, ça va commencer à se ressentir sur la qualité du lancement. Ça reste à voir, Isabelle. Je sais pas, c'est difficile à dire. Après, si c'est un échec, c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir tenir la cadence qu'ils voulaient se donner, parce que si je me trompe pas, à chaque fois, ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un lancement par mois. Donc justement avec les méthodes de fabrication rapide, lanceur avec de l'impression additive pour certains aspects, un échec, de toute façon, ça remet en cause des choses. Il faut revérifier, il faut faire du contrôle qualité, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé, il faut analyser les problèmes. Ça. Et donc, on espère qu'on aura rapidement des retours.
Ah oui, il y a, ouais, Martin, il y a Martin sur le chat qui demande la récupération. Effectivement, on avait dit qu'on en parlerait. Alors oui, alors oui, alors Ah la ça, récupération. ouais, c'est un concept différent de Falcon 9, hein, donc on est plus sur un truc, on va dire, enfin, standard Bon et pas bah. standard, hein, quelque part. Voilà. Alors, la récupération à la Falcon 9, c'est où on fait réatterrir le premier étage. Finalement, ça demande pas mal de carburant pour le faire. Bien bonsoir, Whitney. Ça demande pas mal de carburant pour le faire. Donc, pour un petit lanceur comme Electron, on va pas le faire. C'est trop coûteux. On préfère simplement le laisser tomber et aller trouver de nouvelles techniques pour le récupérer. Et Rocket Lab, ils ont une technique qui est très originale, finalement. Qui est d'abord d'utiliser des parachutes. Une fois que le premier étage est rentré, il retombe dans l'atmosphère, il largue plusieurs parachutes et il va tomber tout doucement dans l'océan. Mais il ne va pas tomber dans l'océan. Parce que le contact avec l'eau salée, c'est pas forcément bon pour la structure. Donc, on va le récupérer en vol. Et Alors, je c'est vais là que me... ça devient pratique. je vais essayer de mettre la vidéo. Ah ouais, Ils c'est ont trop cool pour le mis mettre. une vidéo, donc comme ça, en attendant, on va essayer de trouver les... Voilà, je vous mets la vidéo où ils présentent ça. C'est super chouette. Mais ouais, donc ils vont tenter une récupération par hélicoptère. Alors là, on est sur des gros hélicoptères. Je sais plus si c'est ceux de la taille du fameux Chinook britannique qui était spécialisé dans le débarquement des troupes, suffisamment gros pour voilà capturer en vol le premier étage. Il fait quoi, voilà, Donc sur là, c'est les des photos. images de synthèse, évidemment, sur la vidéo. Et on voit que donc, le premier étage a été séparé du second. Et il est en train de faire une rentrée, alors, pas contrôlée, finalement. Dans un premier temps, il freine, enfin, il s'échauffe avec la rentrée atmosphérique. Il va quand même, freiner avec un parachute. Ah, il y avait un parachute pilote et après il y a un petit parachute, un plus gros parachute. Et là, il y a un hélicoptère qui vient. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que ça freeze sur le live. Pardon? J'ai l'impression que ça freeze sur le live. On voit toujours l'image de l'hélicoptère Ah. sur son navire. Ah merde. Pardon. Et alors, il y a une technique, il y a une société également Ah en Europe zut. qui fait peut-être le même genre de technique de récupération. Bon, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans le chat. Ça sera plus simple, excusez-nous. Et bah, je sais pas ce qui s'est Alors, passé. voilà, il y a plusieurs vidéos hein, disponibles normalement. Il y en a une avec des images de synthèse. Et il y en a une d'un exercice en vol. Vous avez un hélicoptère qui va larguer une maquette de premier étage d'Electron. Et ensuite, deux autres hélicos qui vont servir voilà, à agripper cette maquette. Et c'est vraiment complètement dingue ce qu'ils arrivent à faire pour récupérer le premier étage et ensuite voilà, le poser doucement au sol pour qu'il puisse être réutilisé sans encombre. Voilà, l'avantage, c'est que du coup, il y a beaucoup moins de. Comme on n'allume pas le moteur dès qu'on a à l'atterrissage, bah c'est déjà beaucoup moins hasardeux que la Falcon 9. Il a fallu quand même un sacré paquet de tirs pour que ça marche, de faire atterrir un premier étage au sol. Et ça peut aider aussi au reconditionnement du premier étage. Si on limite, enfin, si on, si on, il y a moins de, si on, si on enlève voilà, ces différentes poches de moteur. Eh ben, le reconditionnement peut gagner en fait en simplicité et en temps, en durée. Mais bon, pour l'instant, on n'est que sur de la perspective. Il faut attendre que ça marche. Et Rocket Lab a prévu ça pour le vol 17, il me semble. Pour le vol 17, donc je pense pour Oui, c'est ce que moi, j'avais lu aussi. Ouais. Là, je peut-être pense que pas avant. vous voyez Voilà. la vidéo. Enfin, j'ai essayé de la mettre autrement. Ça freeze un peu quand même, mais. Ah, ouais, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. Moi, ça, bah, évidemment, moi, ça passe, mais bon. Bon, alors, est-ce qu'on a des nouvelles sur Twitter?
Aucune pour l'instant. Ah si, si, si. Ah, si. Ouais. Une anomalie alors, a été. Problème. Ouais, une anomalie a été trouvée aujourd'hui pendant le lancement de Rocket Lab qui a causé la perte du lanceur. Nous sommes extrêmement désolés pour les clients qui a été à bord de l'Electron. Cette anomalie est apparue tardivement dans le vol durant l'allumage du second étage. Enfin, voilà. Bah voilà. Donc, c'est un échec. Donc, le numéro 13 n'a pas porté chance. Voilà. Et bah, pour notre premier live, c'est dommage. On est désolé voilà, de commencer un live comme ça avec un échec. En tout cas, bravo à Rocket Lab pour leur rapidité de réaction, mine de rien. Nous sommes quand même à 27 minutes du décollage. Et il n'a pas fallu longtemps pour annoncer voilà, l'échec. Alors, on va attendre un peu le temps d'avoir de connaître l'origine. Il faudra attendre quelques jours, je pense, le temps de connaître l'origine de cette anomalie. Bon, c'est sûr que c'est vraiment dommage pour les passagers. Ah oui. C'est souvent le risque quand on embarque à bord voilà, de ce genre de lanceur. C'est le type de passager qui n'arrive pas à trouver un gros lanceur super fiable. C'est pour ça. C'est pour ça ou alors il faut attendre 2 ou 3 ans le temps qu'une fasse. Mais c'est pas simple. Le vol Vega, il a fallu je sais pas combien de temps pour le remplir. Et ça fait longtemps qu'il était déjà prévu le vol Vega multiple avec le SSMS, qui est décalé au mois d'août. Il a fallu longtemps pour ça. Ok. Bah, si tu veux, on va finir juste avec les projets lunaires, on va dire, de Rocket Lab. Oui. Et puis on va. Oui, parce que voilà. Donc on va finir avec ça. Juste la dernière chose. Bon. Elan, Jaurès, Servin, on n'a pas d'image, donc pas un échec. Je ne comprends pas. Donc si t'as peut-être raté ou on s'est pas bien expliqué, donc sur Twitter, Rocket Lab vient d'annoncer que c'est un échec. Ils ont eu un problème avec le second étage, avec le moteur du second étage a priori. Donc bon, c'est bien dommage. C'est malheureusement ça arrive. Voilà. Ouais, donc. Donc bah c'est pour bon, notre pour notre ça, premier. Ça n'empêchera pas, je pense, les gens de continuer à avoir confiance en Rocket Lab. Surtout que bah, parmi ces gens-là, il y en a qui avaient plus confiance en la Vega, par exemple. Il y a un client japonais qui a signé pour Rocket Lab et qui a déménagé son satellite. Hein, c'est un japonais aussi, hein, son satellite radar expérimental de la Vega à Rocket Lab, à la fusée Electron, pour un tir prévu l'année prochaine. Ça, c'était après l'échec Vega l'année dernière. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a des assurances pour le remboursement des satellites perdus? Alors, malheureusement, j'ai peur que pour certains satellites, pour ce genre de satellites, il n'y a pas d'assurance, parce que c'est des petits CubeSats. Planète considère, en tout cas, ça, c'est, j'en suis pas sûre, mais je dirais que Planète, en fait, ils considèrent leur CubeSat comme des consommables. C'est-à-dire, il lance, et puis ça marche pas, voilà, il lance, et bah, si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, bah tant pis. Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait des assurances pour ces satellites. Pour celui de Canon, j'en sais rien. Voilà, je ne saurais pas répondre exactement pour ça. Donc, Canon, c'est un satellite de démonstration. Et oui, voilà, je ne sais pas. Donc c'est le passager principal. Peut-être. Quand même un peu de chance qui ça. Et moi, je pense même que oui, parce que Canon est passé par Spaceflight. Et Spaceflight, je crois, assure tous ses lancements. Donc, bon, on finit avec Mission to the Moon de Rocket Lab pendant 5 minutes. Et puis après, oui. On va faire dodo. Hein? Oui, on va s'arrêter là. Voilà. Comme je vous disais que la NASA a confiance en l'Electron, et ben, ils ont prévu ça. Ils ont prévu d'envoyer un espèce de CubeSat, un microSat qui s'appelle Capstone. Qui devrait décoller en 2022 à bord d'une fusée Electron pour l'orbite lunaire, une orbite polaire. Quand même un style d'orbite polaire très très elliptique qui va de temps en temps passer très proche de la Lune mais aussi de temps en temps très loin. Et c'est une orbite qui est très très particulière celle-là car ce sera la future orbite de la station spatiale Gateway, la future station spatiale internationale en orbite lunaire, si jamais elle voit le jour, bien sûr.
Et voilà, ce satellite va tester un peu les conditions de mise en orbite sur une orbite aussi particulière. Et c'est son principal objectif. Et donc c'est l'occasion pour Rocket Lab voilà, de tester un peu sa capacité à atteindre l'orbite lunaire. Ils ont développé, ils vont dériver pour ça leur étage supérieur en une plateforme satellite en fait, qui va accompagner de nanosat de la NASA jusqu'à l'arrivée en orbite lunaire. Et ensuite, lui, je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir. Il devrait revenir et à nouveau brûler dans l'atmosphère terrestre pour éviter des pertes. Mais voilà, ça c'est l'objectif, une petite mission de la NASA. Qui a été confié dont le lancement a été confié à Rocket Lab l'année dernière pour être prévu d'être lancé en 2022 histoire voilà de préparer le terrain en fait à la Gateway. Donc les premiers modules devraient être mis en orbite eux je sais pas trop quand Isabelle mais plus vers 2025 2026. Là franchement j'en sais plus rien parce que c'est ça dépend beaucoup de la politique de la NASA ouais, voilà, et de la maison. C'est très compliqué à l'heure actuelle entre les désirata, on va dire, de la Maison Blanche, les possibilités de la NASA, les retards pris sur le SLS, qui est le lanceur, le gros lanceur pour les missions habitées de lunaires. C'est très compliqué. Enfin, moi, personnellement, je me hasarderais surtout pas à dire des dates et surtout ne pas croire celles qui sont annoncées par certains à l'heure actuelle. Oui, voilà, parce que là, voilà, n'importe quelle date, de toute façon, sur les missions lunaires, c'est comme celle de Musk, elle glisse toujours. Donc, c'est un peu un théorème qu'on pourrait vérifier sur n'importe quelle mission lunaire à venir. Mais bon, finalement, c'est Rocket Lab va prendre un tout petit peu sa part de ce programme lunaire, si jamais on espère qu'il voit le jour. Et donc, voilà, c'est avec la mission Capstone, elle va préparer un peu le terrain. Donc ça, c'est pour 2022. Bon, en attendant, bah, on espère que la confiance en la fusée Electron bah, va rester la même, même après ce soir. Donc pour ceux qui viennent de débarquer, eh ben, on est désolé de vous annoncer que le vol de ce soir était un échec. Une anomalie au deuxième étage du lanceur, on va conclure là-dessus, hein, Isabelle Jopin. Ouais, voilà, tout à fait. Bah, merci en tout cas aux personnes qui sont venues. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de peut-être d'en refaire, on verra bien. Ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà des horaires de lancement, parce que si c'est pleine nuit, bah là, je suis désolée, mais c'est pas. Enfin, moi personnellement, c'est pas possible le lendemain. Bah, je bosse, hein. Voilà. Donc, et puis, je suis pas sûre que bah, vous non plus vous ayez que ça à faire. voilà, ça dépend des horaires aussi. Effectivement, si c'est en pleine journée, bah, notre possibilité d'être nos disponibilités. Voilà, après on essaye justement bah aussi, bah là Whitney est sur le chat, bah, de se compléter. Donc on vous souhaite en tout cas, on espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. On espère s'améliorer aussi les prochaines fois. Et puis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, continuez de rêver. À bientôt. Passez une très bonne soirée. J'ai arrêté.